Rouge et bleu, on va démarrer direct. Je ne vais pas vous demander comment vous allez. Je suis le médecin de personne ici et puis je suis super vénère par rapport à la dernière sortie de Jean-Michel Aulas dans le journal anti-parisien, l'équipe 21, où le mec s'est pointé pour saquer le Paris Saint-Germain, manquer de respect au club et manquer de respect à son président et au staff. Franchement, le mec, il a envie de créer une sorte de rivalité entre les deux clubs pour que lors des prochaines confrontations, que ce soit un peu comme un classico, pour que ça lui rapporte plus d'argent et tout, je sais pas trop quoi. Bref, je vous ferai un point sur ce sujet-là dans une autre vidéo, mais pour le moment, nous sommes là pour l'avant-match Paris Saint-Germain-Montpellier. Bon, avant ça, je vais quand même faire un petit déclic sur le carton rouge de Dani Alves. Le mec, il a eu un carton rouge très discutable déjà, et puis les instances françaises décident de lui donner 3 matchs de suspension avec plus un match en sursis. Franchement, on ne comprend plus rien. Ça confirme encore mes dits lors de la dernière vidéo où je parlais du mauvais arbitrage français, mais là on ajoute encore les instances, les gars, je les avais oubliés. Tu peux pas prendre ce genre de décision, pas parce que c'est le Paris Saint-Germain. Tout le monde sait que ce sont les grands joueurs, ils savent ce qu'ils font sur le terrain. On a vu Martial, le latéral gauche lyonnais, qui a presque giflé l'arbitre la dernière fois. Il n'a même pas eu un carton jaune, mais ça arrive sur Dani Alves. Pourquoi, quand c'est sur lui, on lui donne un carton rouge avec 3 matchs et un match en sursis? On comprend plus rien là. Bref, nous sommes pour l'avant-match PSG-Montpellier qui se déroulera demain samedi à partir de 17h sur Canal+. Déjà, Montpellier, faut savoir que c'est la meilleure défense du championnat. Ces mecs-là, ils ont une défense de malade, je vous assure. La meilleure défense du championnat, ils sont 7e au classement. Et puis, sur les derniers matchs, les 5 derniers matchs, ils ont 3 victoires, 2 matchs nuls. Faut pas aussi oublier qu'au match aller, le score final, c'était 0 but partout. Bon, c'est vrai quand même que tout le monde n'en a pas. La véritable cause de ce match nul, c'était la pelouse, les gars. Tu peux pas prendre Neymar pour venir jouer au stade de Mangama. Tu peux pas prendre Lionel Messi pour aller jouer à Mekak. Ça, c'est impossible. Il faut, quand les grands joueurs jouent dans les grandes pelouses, les meilleures pelouses du monde, tu peux pas, je sais pas moi. Oui, tu peux prendre Cristiano Ronaldo, il joue même à Cantal si tu veux, mais pas Lionel Messi, pas Neymar, les gars. Franchement, de toutes les manières, cette fois-ci, ça sera sur notre pelouse, la meilleure pelouse d'Europe. Mon pronostic sur ce match-là, on va donner un petit 3-0 qui ne souffre de rien. Si vous n'êtes pas d'accord et si vous avez un autre pronostic, mettez-le en commentaire, ça aidera toujours. Bref, pour mon classement dans ce match, je verrais bien un Kevin Trapp dans les buts, même comme je sais que Unai Emery va préférer Areola. Mais franchement, je suis plus rassuré lorsque c'est Kevin Trapp qui est au goal. À gauche, j'aimerais bien voir Berchiche qui est sur la continuité et puis il fait de très bons matchs depuis un certain temps. À droite, Thomas Meunier. À l'axe central, j'aimerais voir Thiago Silva et Kimpembe. Kimpembe qui est en train de monter en puissance, les gars. Et puis au milieu de terrain, c'est vrai que j'aimerais bien voir Lo Celso, mais je préférerais voir Lassana Diarra pour faire ses débuts au Parc des Princes. Ça sera très beau d'ailleurs s'il le fait. Donc, Lassana Diarra, j'aimerais bien voir ce qu'il peut donner lorsqu'il est associé avec Rabiot et Verratti. Donc, et puis devant, je voudrais bien que Neymar revienne dans cette équipe, les gars. Depuis qu'il est blessé, ça fait, je crois, 3 matchs déjà. Il me manque, franchement. Quand Neymar joue, tu as l'impression, tu sais qu'il va casser des côtes. Tu sais qu'il y aura un joueur qui va rentrer à la maison et ses enfants ne vont pas lui parler. Tu sais que bref, quand il a le ballon, il y a un grip qui suit, un adversaire qui se blesse sur un tacle et tout et tout. Bref, c'est ce genre de joueur que moi j'aime regarder jouer. C'est la carrure
des Ronaldinho et tout. Franchement, Neymar. Et puis, il nous a vraiment manqué dans cette équipe. On a vu les derniers matchs, surtout le match contre Lyon, où si Neymar était là, ça aurait dû être toute une autre histoire. Bref, j'aimerais un retour de Neymar en pointe, Cavani, et puis à droite, Di Maria, qui est plutôt en grande forme. Bon, avant de finir sur cette vidéo-là, j'aimerais parler aussi du tirage au sort de la Coupe de France qui a eu hier. Le Paris Saint-Germain qui va affronter le FC Sochaux à l'extérieur. On sait que le Paris Saint-Germain tient beaucoup à cette compétition, notamment avec son record de 20 victoires consécutives dans cette compétition-là. Le même record avec le Red Star dans les années antérieures. Bref, pour moi, je pronostique déjà une victoire dans ce match-là aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification qui est juste là pour être sûr d'être notifié lors des prochaines vidéos. Et puis, n'oubliez pas de partager aussi, ça peut aider. Merci. Et n'oubliez pas les gars, demain le monde sera rouge et bleu. Peace.